Départ du prix Philippe Monnier, une course pour Poulantier, Hongrie Pouliche de 3 ans n'ayant jamais couru. Sur la distance de 2300 mètres, bien parti plutôt au centre de la piste. Désormais se rapproche le numéro 12, Spring Holiday, avec Sécotine également qui est bien parti et qui va tenter d'intégrer le groupe de tête. À l'extérieur, Shawnee fait le forcing et se rapproche progressivement avec George Gain également qui est côté corde. Devant, va tenter de se rabattre en tête de l'épreuve désormais Warsim qui s'est bien rapproché avec Cyril Stéphan. Numéro 6, Warsim qui a pris désormais les commandes de l'épreuve. En deuxième position, patiente le numéro 5, Mongeau. Le frère entre autres de Bonalois et de l'ami Gabi qui patiente avec à l'extérieur Shawnee's qui précède le numéro 11 Sister Break, c'est la sœur de Warkford qui se rapproche progressivement avec également plutôt en dedans le numéro 4 George Gain qui se retrouve sur un troisième rideau. À son extérieur c'est le numéro 12 Spring Holiday qui précède également le numéro 8 Sécotine. Rena Borghez n'est pas loin également, patiente plutôt au sein du peloton avec le numéro 9 Carrie Wichet, c'est la casaque bleue qui patiente avec Soufiane Saidi. Sont dans la ligne d'en face avec toujours en tête de l'épreuve le numéro 6 Warsim qui déroule en tête. En deuxième position se rapproche Shawnee's avec également le numéro 5 Mongeaufroy qui n'est pas loin avec Christopher Grosbois qui précède également le numéro 11 Sister Break qui patiente derrière les leaders. À l'extérieur se rapproche la casaque orange et verte du numéro 8 Sécotine qui n'est pas loin avec Carrie Wichet également le numéro 9 qui attend en bon rang qui se retrouve plutôt bien placé à cet instant du parcours. Ils se dirigent vers le bout de la ligne d'en face, le dernier tournant est en vue, ils sont dans la montée maintenant, avec toujours en tête de l'épreuve le numéro 6, Warsim qui emmène cette course. Sécotine s'est bien rapproché maintenant et vient à son extérieur, juste devant, plutôt côté corde, Mongeaufroy qui a un très bon parcours et qui attend derrière l'animateur, avec également à son extérieur désormais Carrie Wichet qui fait mouvement et qui se rapproche sans faire d'effort devant le numéro 4, George Gain. Ils vont bientôt sortir du tournant final, avec toujours en tête de l'épreuve Warsim qui va tenter de repartir. Sécotine est à son extérieur, Carrie Wichet également tente de se rapprocher, avec également Mongeaufroy qui s'apprête à se décaler. Ils sont dans la phase finale maintenant, avec toujours en tête de l'épreuve Warsim qui tente de repartir. Sécotine qui est lancé avec également Carrie Wichet et surtout Mongeaufroy qui cherche l'ouverture. Sécotine qui bataille pour le succès à 300 mètres du but avec également dedans Warsim qui tente de repartir avec Mongeaufroy qui vient de trouver l'ouverture maintenant et Carrie Wichet qui est lancé à l'extérieur avec toujours Sécotine. Carrie Wichet qui bataille pour le succès également. Mongeaufroy qui tente de refaire du terrain maintenant. Carrie Wichet qui a pris l'ascendant sur Mongeaufroy. Sécotine qui tente de bien finir. C'est Carrie Wichet le numéro 9 qui débute et qui gagne devant le numéro 5 Mongeaufroy. La très bonne fin de course du numéro 6 Sister Break qui s'empare de la troisième place aux dépens du numéro 12 Spring Holiday et du numéro 3 Faucon.